Attends, deux secondes, je mets juste le nom et après vous pouvez partir. Lancelot Polynomis. Lancelot Poly et Best of Five. Hop là. Voilà les gars. Allez, c'est parti pour le match de Qualifier. Qui des deux joueurs se retrouvera en top 64? On vous rappelle encore une fois que le top 64 sera demain à 12h30, hein, midi 30. Et on aura la crème de la crème européenne. Hein, parce qu'on vous rappelle encore une fois qu'on est sur un major européen avec des gros matchs. Ça, ça fait plaisir. Et là, on a trouvé cette petite up-to faire la petite phase de Poly. Poly qui tente un petit peu d'Edgeguard, mais du coup, on est bien revenu du côté de Lancelot. Alors c'est un peu chiant comme match-up, je pense, Chrome contre Lucario, parce que Lucario, il a des outils pour gêner Chrome, ça il n'y a pas de souci, mais vous connaissez, Chrome ça tue bien. Jab back air, les B, les F smash, le jab back air, on en parlait un instant, il a été trouvé sur cette tech chaise à partir du dash down tilt de Lancelot et du coup on prend l'avantage du côté de la Norvège. Et c'était bien placé quand même, on va pas se mentir. On est à 84%, 89%, ok. Qu'est-ce qu'il peut nous proposer ? Qu'est-ce qu'il peut nous cuisiner là ? Moi j'ai envie qu'il nous fasse de la cuisine italienne. Parce que là pour le moment ce qui se passe c'est qu'il est en train de se faire croquer. Aïe 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 ! Ah ça faisait peur hein, ce petit jab and smash. Hein. C'est vrai qu'on a encore cette possibilité. Mais bon, il n'est pas passé. Plutôt cool. Finlande, ah merde, pardon. Désolé, bah, je suis nul en géographie aussi. Alors, voilà. Donc Finlande. Ah oui c'est vrai, en fait, c'est finouche. Mais oui je suis con. Hein. Putain, quel abruti. Oh vraiment. Hein. Faut que j'aille plus souvent sur le stream d'étoiles hein, pour les nuits de la culture. Hein, vraiment. Mais en tout cas, heureusement que le chat, vous êtes là pour me corriger. On sent que vous êtes un chat d'intello. Vous allez souvent à l'école, tout ça. Bravo à vous. Polynomi, il est suisse? Bah non, il y a un drapeau de la France. Mais non, mais non. Hop! Quoi? Oh! Ah, par contre, j'avoue, le 3 stock là, il picouille. Maintenant, eh, imaginez le scénario. Polynomi qui comeback ça. Moi, voilà, eh, on veut y croire. Regarde. Boum, voilà, caméra, bien. Eh, vous savez quoi? Regardez. Regardez comment il va comeback ça. Reverse 3 stock. Ultra Ego Polynomis. Bon, ok, je crois que c'est... Ah, le 2 frame. Oh là là. Oh là là, mais comment il couvre tout. Lancelot, il a l'air d'avoir bien réfléchi sur le match-up. Hein. Il a préparé la couverture. Il fait bien son ledge trap avec ce qu'il faut, c'est-à-dire le B neutral. Comme ça, ça n'a pas de lag et il peut couvrir hein, les petites esquives de Polynomis au niveau de B et tout. Donc, on sent qu'il part pas sur un terrain incognito. Hein. Il y a un petit but d'expérience. Un smash qui est bien tenté avec un Boris Reward. Et du coup, une game très convaincante de la part du joueur finlandais. J'ai failli dire du joueur niçois, je suis un fou moi. Genre en mode c'est le drapeau de Nice, c'est le mec paumé, tu vois. La Finlande c'est un pays du Nord où il fait froid, où la nature est jolie. Alors en fait c'est simple, il fait froid, je connais pas. Genre moi tu sais je suis allergique au froid. Hein. Je sais pas si t'as vu, mais j'ai ce qui s'appelle la peau basanée, tu vois. Et en fait, du coup, génétiquement, mon corps, il me dit, t'aimes pas le froid. Donc, forcément, moi, tu me parles du soleil, il n'y a pas de problème, je kiffe. Tu m'as parlé du froid. Voilà, t'as vu. Mais ouais, ah, la gueule, ah, le comeback. D'ailleurs, en fait, je voulais qu'il comeback, mais on va pas se mentir dans ce que je suis en train de voir depuis tout à l'heure, c'est qu'on a un Lancelot qui est très convaincant, qui est très bon sur neutral, il a des très bons RPS2 et c'est là où Polynomis il commence à avoir des galères. Hein. Je vois à chaque fois il met les jabs sont relativement safe, Polynomis arrive pas à rentrer dedans. Peut-être qu'il va devoir changer de stratégie, je sais pas s'il a d'autres gameplay, mais là pour le moment le gameplay qu'il propose par rapport à Lostos ça a l'air de plus le desservir qu'autre chose, donc à voir. On va voir. Donc là on est sur peut-être une stratégie de le pousser offstage pour pouvoir tenter une tentative d'edgeguard, mais on voit que le désavantage de Lancelot est quand même rodé. Hein. Alors, c'est pas le meilleur chrome d'Europe pour rien. Le meilleur main chrome, parce que après c'est vrai qu'on a des gros chromes comme celui de Flo, celui de Léon. Bien entendu, on n'oublie pas. Ah cette musique de Persona elle est incroyable. Hein. Ah c'est du bonheur pour vos oreilles, je suis sûr. Bon là par contre on joue bien du côté de Polynomis, on prend pas trop de retard et on trouve ce confirme sur le B neutral. Et là c'est très important d'avoir trouvé ce confirme parce qu'on va rentrer dans cette phase que l'on veut. C'est-à-dire j'ai la lead, j'ai encore des pourcentages que je peux tanker et surtout il faut que je sorte de ces pourcentages de jab back air et ne pas être sur le côté dessus. Là en plus les upers vont pas tuer etc. Pas mal. Alors oui, effectivement, je vais vous rajouter le petit score et on a un Polynomis qui a trouvé une ouverture là-dessus encore là. Et c'est pas mal ce pick battlefield les gars là.
Eh ouais, hein, là, Laura. Laura. Aïe, 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 je crois que là, on commence à se presser un peu, hein, regardez. Hein. Là où on était serein sur le premier match, on commence à se presser, on commence à taper un peu partout parce qu'on veut absolument tuer. On a réussi à catcher en deux frères. Et la réaction de Lancelot a été insane. Insane, sa réaction. Et là, maintenant, on est patient. On remet son plan en place du côté de Polydimis parce qu'on sait qu'on va pas pouvoir tuer avant un bon moment. Mais on sait qu'on peut mettre les pourcentages. Et du coup, il faut se focus dessus parce que sinon, on va réussir à rattraper le retard que l'on a du côté de Lancelot. Une mise en confiance, 64%. Si on arrive à gratter encore une dizaine ou une quinzaine de pourcents, on va pouvoir être au pourcent du jab back air. Donc faire attention de côté poly, on garde le stage control. Ouais, c'est ce qu'on veut. On a un projectile, il faut en profiter. Lui, il n'en a pas. C'est à lui de venir nous chercher. Hein. Ouais, ouais. On tourne un petit peu, on essaie de trouver un peu la situation. Ça bouge bien. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Au niveau des mouvements, du côté des deux joueurs, ça bouge très bien et ça regarde ce que fait l'autre. On s'est pas précipité du côté de Polynomis, on n'a pas foncé dans le tas, on a respecté. Côté Lancelot, on a trouvé une option risk-reward que si Polynomis se précipitait, il pouvait perdre sa stock et permettre un comeback. Donc alors, vraiment, ça joue très très bien. C'est du très très bon Smash Bros qu'on nous propose pour cette qualification. Top 34, l'erreur de Polynomis qui a essayé de viser quelque chose de compliqué. Alors que mine de rien, avec la boule, il avait réussi à gêner le timing de Lancelot. Et il a pas su profiter de ce problème là. Et du coup, ça peut peut-être lui coûter quelque chose. Oh 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 oh, oh. Et oui, on a gêné, on a pris une option. Il s'y attendait pas. Et du coup, la réponse de Polynomis sur Battlefield qui s'est fait entendre tout de suite. Hein. Vraiment. La mort était bien flop. Ouais. Cependant. Le coup a été bien trouvé, le timing a été bien trouvé et je pense que le moment où Lancelot il a fait son airdone, en fait c'était le timing qu'il avait choisi pour la roulade, mais c'était trop tard, il avait perdu l'invincibilité. Donc je trouve que là où il y a du flop, je trouve qu'il y a eu aussi des bonnes choses aussi, tu vois, du côté de Poly dans le choix de faire ce move là, tu vois, parce qu'il aurait pu très bien ne rien faire au final. PS2, troisième choix, et là on est sur une game très importante, vous connaissez hein. La game où il est important de gagner parce qu'en cas de 2-2, vous savez, c'est l'ascendance mentale, le moral, le pardon, je suis désolé, le choix du stage, c'est tout. Tout se joue la plupart du temps sur ce set. Donc du coup, c'est un truc qui va être relativement important. Et Lancelot, il l'a bien compris en ouvrant les pourcentages, les hostilités avec une avance de 121%. Par contre, on a la réponse qui est possible du côté de Polymonis. On utilise son deuxième saut pour pouvoir régler son désavantage. On récupère ça. Et là, on voit les petits F-Smash qui se perdent. Donc, il y a des petites tentatives. Et du côté de Lancelot, on va devoir faire attention. Parce que sinon, on peut se faire douiller. Et malheureusement, c'est le back-air qui a été trouvé hein, du côté de Lancelot pour pouvoir... Pour faire en sorte que la Finlande prenne le lead sur ce set très serré. Ouh, l'armant! Oh, il aurait pu avoir une douille de fou malade s'il avait Biffy. S'il avait Biffy, il aurait pu potentiellement entraîner Polydimis dans les larmes. Mais c'était peut-être pas si worse que ça, parce qu'on rappelle que Lucario bénéficie quand même d'un système de rage. Donc ça aurait pu se retourner aussi potentiellement contre lui. Donc il a préféré temporiser la stock et il a bien raison, parce que Polydimis galère à trouver, mais malheureusement, le Hakai. Alors. Ce n'est que mon humble avis, je peux me tromper, mais je pense que la DI était pas oufissime. Pour quelle raison, je sais pas, mais je crois que c'était pas fou. Allez, ok, le dash attack, tout ça. Ah ah, ok. Oh! 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 Ok, nice, nice tout ça. Il y a un décalage de son, vous me dites? Je veux bien que vous me dites quel type de son a le décalage, s'il vous plaît. Vous me dites juste c'est quoi le type et je règle le problème. C'est quoi le stream original sur lequel il y a le match? Bah c'est celui-là puisque nous avons un stream perso en fait. Donc voilà. Il y a R, tout va bien niveau son. Ok, d'accord. Bon, bah faites F5 alors. Il n'y a pas de décalage, t'inquiète. Ok, d'accord. Bon bah on repart sur le match alors. Alors, épaulé, et on fait la pression, hein. Il a raté le totem, il est arrivé, il l'a fait. Chilix Amayaro. Koleyaro, pas Smash. Oh, c'était trop... Oh, il nous a prévenu, hein. Il a mis... Oh, jab backer sur le côté, ça passe bien sur le perso flotti. Et Lucario, c'est bien flotti, là. Vraiment. Vraiment, vraiment. Ça là, double fresh cut, sponsorisé, voilà, le tournoi est sponsorisé par fresh cut et les joueurs nous le font savoir
bien comme il nous faut, comme il le faut. Il y en a combien dans le chat là qui sont sur Fresh Cut là, juste comme ça pour savoir qui est sur Fresh Cut. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu sur mon Fresh Cut, on a mis un PC Predator Orion 20000 à gagner. Hein, voilà, un jeu concours qui se termine hier. Donc voilà, qui se terminera hier, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc si vous n'êtes pas sur Fresh Cut, rejoignez Fresh Cut. C'est gratuit, bien entendu. Alors, Olombastion comme choix. Petite analyse. Rapide, simple et efficace. C'est contre Chrome, c'est la merde. Vraiment. Oui, c'est en BO5, et ouais. Mais voilà, c'est un peu la sauce. Après, c'est plus grand que Smashville, donc ça reste quand même correct. Et en vrai, Olombastion, il y a quand même des petites choses à faire du côté Lucario, notamment avec la plateforme du milieu et la boule. Cependant, vu qu'on a un Chrome qui a une vitesse, on peut trouver les uppers facilement, forcer le Lucario à être sur la plateforme et du coup récupérer un stage control rapidement. Et du coup, on empêche le Lucario de jouer son jeu de zoning. Ça, c'est plutôt pas mal, ça. Oh là 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 là. Ah, vraiment, c'est pas mal. Hein. Stop speaking French. But this is a French stream, so why I have to speak French? You have to stop speaking English. You can go to Russian stream if you want English stream. There is lot of languages stream, so if you want English stream, you can go to the English stream. Voilà. Alors, petit retard, 109%, 109%, ouais, bon, ça se tue, mais un peu, voilà, quoi. Et voilà, quoi. Ok, donner, ah, oh, il a voulu tenter, et très bonne DI de la part de Pouli, il l'a senti, il l'a gêné, il s'est dit, il va essayer de jouer le reward dessus, il s'est dit qu'il allait peut-être essayer de l'enterrer, et du coup, si vous avez bien vu, Polynomis, au lieu de reculer, comme on a tendance à faire sur le up B de Chrome, pour être sur le terrain, il est allé complètement à contresens, et sorti du up B, et a réussi à esquiver ça, mais malheureusement, derrière, on a la réponse de Lancelot, qui a réussi à trouver cette phase de Ledge Trap, qui a encore trouvé ce neutral sur le 2 frame de Lucario, il est vraiment réglé et c'est un joueur qui a des très très bons réflexes et il nous fait savoir sur ce set. Allez, Polynomis qui a deux doigts de partir en loser là malheureusement. Allez, Lancelot c'est quand même un grand joueur, hein. on le cite pas souvent, hein, quand on parle des gros joueurs européens, je vois qu'il est un peu oublié de temps en temps, mais en vrai il faut pas oublier que c'est un très 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 gros joueur et il nous le prouve encore sur ce set, hein, vraiment. Ouais. Confirme. Oh, ouf. Oh, j'ai cru qu'il allait nous lâcher une petite phase là, tout ça, avec surprise, qu'il était dans sa tête. J'ai fait, oh quoi, confirme dessus. Et non, il a pas confirmé dessus, alors qu'en vrai, je me demande si boule into backer, ça passait, tu vois. Ça, c'est vraiment une vraie question. Ouh, ok, Akai, ça tue. Ouais, ça c'est... Enfin, ça, c'était poubelle, là. On a un Lucario qui a 106 de rage. Et on peut se faire combattre. Jab backer. Et oui, le Némésis du match-up de Lucario sera fatal pour le joueur français de Sanisport qui l'enverra en loser. Et du coup, on a un Lancelot solide, vraiment, hein, comme un rock. Et qui, du coup, se qualifie pour le top 64. Après, rien n'est encore perdu pour le joueur de Polynomis. Moi, je crois.